Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas filmé, en vrai ça doit faire au moins 3 mois. Donc du coup je reviens avec un petit vlog à La Réunion. Donc on est arrivé hier, on a voyagé avec la compagnie French Bee, donc qui est une compagnie française basée à Orly. Donc on est parti d'Orly hier à 19h, non 20h, et on est arrivé ce matin à 9h, donc à 11h de vol. Il y a 2h de décalage horaire, donc il y a 2h de plus à La Réunion qu'en métropole. Et donc là on est à la cascade Niagara, donc qui est censée en fait être juste là, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc ce matin on est arrivé à 9h, on a été directement prendre la voiture de location. Donc là en gros on est à côté de Saint-Denis, on a un petit Airbnb qui est super bien, côté du stade de la Redoute. En fait normalement il y a le Grand Raid qui traverse La Réunion qui a lieu tous les ans, et l'arrivée était dimanche prochain, mais malheureusement ça a été annulé évidemment à cause du Covid. Donc on a un peu deck parce qu'en vrai on aurait bien aimé voir l'arrivée de ce trail de fou. Je suis partie avec mes deux parents. En fait c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 24 ans. Et donc cette cascade elle est à côté de Sainte-Suzanne. Donc Sainte-Suzanne c'est à une demi-heure de Saint-Denis. Donc c'est hyper près. Donc on n'a pas voulu aller hyper loin parce que c'est le premier jour, on est vraiment crevé, on n'a pas beaucoup dormi. Donc clairement voilà, on voulait pas trop faire de kilomètres et tout. Enfin, demain normalement on se lève tôt, si mes parents acceptent. Le procédé de préparation ou de transformation de la vanille a été mis au point sous l'île de La Réunion. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Les gousses de vanille sont récoltées en juin alors qu'elles ne sont encore que vertes. Ensuite, elles sont mises dans des gros paniers en osier et donc elles sont plongées dans de l'eau à 65 degrés pendant 3 minutes. C'est ce qu'on appelle l'échaudage et ça va rendre la vanille plus souple. Et ça va aussi permettre le développement des arômes et notamment la vanilline qui représente 90% des arômes de la vanille. Ensuite, on perd pas de temps avec l'étuvage. Du coup, on place toutes les gousses de vanille encore très chaudes dans des caissons en bois, doublés d'une couverture à l'intérieur pour faire en sorte que la vanille reste chaude le plus longtemps possible. On rabat la couverture et on ferme le caisson en bois pendant 24 heures jusqu'à 72 heures. Et donc, c'est ce moment-là où la vanille prend la couleur brune. Arrive ensuite la troisième étape qui est le séchage. Donc, elles resteront 10 jours au soleil de 3 à 5 heures par jour. Et moi, en fait, ils vont reprendre toutes les gousses de vanille et les trier. On va commencer à préparer la maturation pour celles qui sont suffisamment sèches. Après avoir séché 1 à 2 mois à l'ombre, c'est le moment du triage. D'accord. L'idéal, c'est de la laisser comme ça à l'air libre un peu sur le plan de travail. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Looking for myself. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign. Mon petit update du deuxième jour. Donc là, il est environ 7h30 du mat. Il fait déjà super chaud. Et mon père qui est juste là. Il va pas très très vite. Il y a ma mère qui est juste là. Donc on s'est levé à 4h15 du matin pour aller voir le Piton Maïdo. Donc en fait c'est un point de vue où on voit tout le cirque de Mafat. Donc il faut venir super tôt parce que il y a pas mal de nuages en fait le matin qui arrivent vers 10h, donc il faut venir super tôt. Comment se passe la rando? Pas très bien avec le soleil. Mais super vue. Ouais. Ouais. Super. On continue alors? Allez, on y va. Allez, go. On a été jusqu'à la glacière, donc en fait c'est une ancienne grotte. Enfin, c'est une grotte avec avant il y avait de la glace, et du coup les esclaves ils étaient chargés de prendre la glace dans les glacières et les ramener un petit paravent juste là. Et ce que mes parents ne savent pas, c'est que demain on va en faire. Donc on va pas en faire ici parce qu'on est, du coup on est déjà venu, mais on va en faire en bas et on aura vu sur le lagon et tout. Donc normalement faut qu'il fasse beau parce que forcément faut que ce soit dégagé. Et donc comme j'avais dit, comme vous voyez juste derrière, les nuages arrivent et là il est même pas 10h. Donc faut vraiment venir tôt.
notre petite rando de 10 km au Maïdo. Donc on a voulu aller sur une plage, donc on a été sur la plage de Boucan-Canotte qui est donc très touristique, qui est à côté de Saint-Gilles-les-Bains, entre Saint-Gilles et Saint-Paul, c'était drapeau rouge, parce qu'il y avait beaucoup de vent et il y avait aussi des requins, donc on va éviter de se baigner quand il y a des requins. J'ai encore pris un coup de soleil sur le nez, hein, ça c'est toujours de toute façon la base de mes voyages. Après on a été acheter à manger dans un magasin qui s'appelle Chez Loulou, qui était recommandé par le guide qu'on a acheté. Donc en fait on a acheté quelques petites spécialités, donc il y avait des trucs au crabe. On a pris des desserts à la mangue, papaye et goyave, c'était assez bon aussi. Et donc là on finit la journée qui a été quand même très longue sur la plage de Saint-Paul. C'est très très belle plage de sable noir. Moi je trouve qu'elle est plus belle que Boucan-Canotte parce que je kiffe le sable noir. C'est vraiment différent de la métropole. J'ai fait quelques petits plans drone, j'espère qu'ils vont bien rendre parce que voilà, encore une fois c'est moi qui les fais et c'est pas souvent. Dans tous les cas, ben, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. J'espère que ce sera aussi bien qu'aujourd'hui et puis voilà. Jour 2, deuxième fois qu'on se prend des vagues. Parce qu'on se met trop proche du bord. C'est une vidéo gang. Là on va aux tortues. Il va y avoir des tortues. Je sais pas si elles sont en vrai ou en plastique. Et c'était quoi la surprise ce matin? C'était la parapente. Le parapente. Et alors ça faisait peur? Oui, non. Ah non, pas du tout. Avant oui, mais en fait non. Petite appréhension avant, mais après ça s'est bien passé. Ce matin j'avais prévu une surprise pour mes parents. Donc on avait rendez-vous à 9h30 à Saint-Leu. Donc Saint-Leu c'est à l'ouest encore de la Réunion. Là on est resté sur le côté ouest depuis deux jours. Donc j'avais prévu un vol en parapente. C'était un vol d'environ 15 minutes. Donc moi l'avantage c'est que j'ai des amis sur la Réunion. Donc j'ai eu en fait un prix du coup pour faire le vol. Donc ça c'était super cool. On avait chacun un pilote différent puisque c'est notre premier vol. Et moi mon pilote m'a demandé si à la fin je voulais faire un peu d'acrobatie. Du coup on voit clairement que je suis à l'horizontale par rapport à la mer. Donc, mais c'était trop bien. L'arrivée c'était vraiment trop cool. Et sauf qu'à la fin, j'ai atterri sur les fesses puisque je n'ai pas vu l'arrivée arriver. Du coup, bah, on a fait un grand virage limite dans les arbres et après on a atterri et du coup, bah, j'étais sur les fesses. Donc il y a des belles photos qui ont été prises, hein, c'est pas grave. Eh ben je dis bravo! Super! Merci Stéphane! Ouais, ça se revient! Donc ensuite on a été sur la plage des Salines. Il commençait à avoir un peu de nuages et tout, donc on s'est dit qu'on voulait profiter un peu du soleil pour bronzer et se baigner avant justement l'orage. Et au final il n'y avait pas eu du tout de pluie, hein, de la journée, mais bon on s'est dit au cas où. Donc on a été sur la plage, on s'est baigné, sauf que bon, il y avait encore marqué attention aux requins, ce qui est normal, mais en fait ça fait flipper parce qu'on se dit, imagine tu te baignes et tu vois un petit aileron, c'est pas ouf quoi. Du coup bon, je me suis quand même baignée, mais il y avait énormément de courant, mais l'eau était vraiment super chaude, donc on a bronzé pendant environ 2 heures. Et ensuite on a été à Kelonia. Donc Kelonia c'est en fait un observatoire des tortues marines, donc en fait c'est des tortues qui sont récupérées et qui sont soignées. Ensuite là on est à côté de trois bassins. Donc trois bassins, c'est encore à l'ouest évidemment, à côté de Saint-Gilles-les-Bains. Donc là je suis encore essoufflée parce qu'on fait une rando qui monte, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, on a quand même descendu avant, mais évidemment je filme dans la montée, c'est hyper logique. Et voilà, donc on a vu une petite cascade, il y a trois bassins du coup, comme son nom l'indique. Donc honnêtement je ne sais pas lequel on a vu, je pense que c'est le premier, quoique non, peut-être que c'est le dernier, parce qu'en fait on a été tout au bout. Et on n'a pas été voir les deux autres parce qu'on n'a pas le temps puisqu'il commence à faire nuit. Il fait nuit assez tôt ici, il fait nuit à 18h30, donc là il doit être 18h20 je pense, puisqu'il fait quand même vachement sombre. Mais bon voilà,
Donc bah voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Pour vous expliquer un peu plus en détail, puisque je trouve que c'est un bel endroit, Kelonia est en fait un centre de sensibilisation à l'environnement sur le thème des tortues marines. Donc il y a plusieurs bassins qui sont alimentés en eau de mer. Ils participent au programme de recherche de protection des tortues marines et de leurs habitats à La Réunion et dans l'océan Indien. Le centre de soins de Kelonia accueille les tortues blessées ou malades pour les relâcher en mer une fois guéries. Donc c'est pour ça qu'on voit jamais les mêmes tortues dans le centre. Moi je me rappelle que quand je suis allée, il y avait une tortue où il lui manquait une nageoire. Donc par exemple celle-ci elle va être mise en quarantaine pour apprendre à nager de nouveau. Mais bien évidemment, si les soigneurs estiment qu'elle n'est pas autonome pour être relâchée en mer, ils la garderont jusqu'à ce qu'elle soit autonome, ou bien ils la garderont à vie si jamais elle n'arrive jamais à nager comme il faut. Ça se mérite, hein. Après 2h30 de randonnée. Donc j'ai un problème avec le drone en ce moment, je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, faut avoir faim. En fait, c'est un peu comme des flancs. Bah alors, on est où là? Alors là, on est. Mais on fait quelle rando là? Là, on fait rando et. Je sais plus.